biddy bang bang biddy bang bang biddy bang. Ang biddy bang bang biddy bang bang biddy bang. Ang biddy bang bang biddy bang bang biddy bang. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo les gars, j'espère que vous allez tous très très bien m'écouter, pour ma part tout va impeccable et aujourd'hui on se retrouve pour le troisième épisode de la série Fatale. J'espère vraiment que cette série vous plaît, je vous conseille les gars de check les liens dans la description de mes autres collègues youtubeurs que je vais affronter très prochainement, donc là à l'heure qu'il est, on est au troisième épisode, ici il faudra qu'on fasse 5 épisodes pour après en fait s'affronter en éliminatoire puisqu'il faut 10 matchs en match simple tout simplement pour upgrade nos joueurs. Donc pour le moment ça se passe bien, on a un bilan de 4 victoires de suite. Donc c'est plutôt pas mal hein, dans cet épisode. On va affronter dans un premier temps une équipe avec beaucoup de vitesse. Hein. Je sais pas si vous avez regardé, c'est une équipe full pace en fait avec les joueurs les plus rapides du jeu j'ai l'impression. Et ça va très mal commencer d'entrer, on va encaisser un but au quart d'heure de jeu. Un but qui fait mal puisque déjà ça nous fait moins 35 000 dans la cagnotte. On va réagir comme on peut hein, assez timidement avec Ben Arfa. Regardez, on va dribbler des adversaires. Là malheureusement la frappe en angle fermé c'était impossible de marquer. Et du coup à la demi-heure de jeu on va concéder une action. Et on va concéder même un pénalty. Un pénalty indiscutable. Voilà, il m'a pris de vitesse. J'ai voulu défendre comme je pouvais. Malheureusement j'ai tiré le maillot. Et du coup on va même encaisser ce but. Moins 35 000 une nouvelle fois alors qu'il est... À ce moment-là du match, on était à moins 70K. Ça fait vraiment mal. Mais on va réagir hein, juste avant la fin de la première mi-temps. Les gars, regardez cette action. Benzema va se présenter seul face au gardien. Malheureusement, il a tiré du pied gauche. J'aurais préféré un petit extérieur du pied droit. Malheureusement, ça s'est pas passé comme je voulais. Et en début de deuxième mi-temps, on va vraiment pousser. On va dominer outrageusement. Hein. Franchement, il n'y avait pas photo. Et à force de dominer, on va quand même être récompensé avec Benzema qui inscrit son premier but. Du coup, hein, étant donné que je l'ai upgrade au dernier épisode. Et là, regardez, on va trouver Ben Arfa complètement isolé. Donc, je sais pas comment ça se fait qu'il était si seul, mais j'en ai du coup profité pour inscrire le but égalisateur et le but qui nous donne du coup du positif, tout simplement, aussi bien au niveau du moral qu'au niveau des crédits, hein, alors qu'il en est à plus 25 000 plutôt. Et là, on va même inscrire le troisième but, le but salvateur, le but qui nous permet de mener au score et surtout le but qui va vraiment totalement nous délivrer parce que là l'adversaire va vraiment plus rien pouvoir faire. On va vraiment l'écraser en termes d'occasion et en termes de possession. Et là on va inscrire le quatrième but qui scelle le sort de ce match. 4 buts à 2 et plutôt pas mal aussi au niveau des crédits. Là regardez, on va trouver Ben Arfa proche de la surface, on va gririter, on va effacer un premier adversaire. On va tenter de tout simplement d'avoir une occasion avec lui. Et là, je vais essayer de dribbler le gardien et il va me faucher. Du coup, ça fait un pénalty en notre faveur. Mais l'adversaire ne va pas avoir le temps de nous le laisser tirer puisqu'il va quitter. Du coup, bilan très positif dans ce match puisqu'on est, alors qu'il est à 135 000 crédits de bonus. Donc, c'est plutôt pas mal. Hein, c'est plutôt pas mal. Et surtout, j'étais rassuré parce que c'est vrai que le début du match était vraiment mauvais. Et on a quand même vraiment poussé. On a vraiment dominé le match. Et finalement, on l'a emporté. On va enchaîner... Les gars, avec le second match de cet épisode, et on va tomber contre un adversaire avec un bien meilleur général que le premier adversaire. Et regardez, un 80 de général, une note à 4 étoiles et demie. Une équipe vraiment, vraiment pas mal, même si c'est vrai que sur la casette, doit pas forcément avoir 9 de collectif. Une équipe plutôt meilleure que celle d'avant, avec du Di Maria, du Sanchez et du compagnie. Et d'entrée, on va pousser, et surtout Ben Arfa a fait un match énorme lors de ce match. Il a vraiment été au-dessus et ça fait plaisir, surtout que c'est mon joueur phare. J'ai vraiment poussé sur mon joueur clé, même si c'est vrai que c'est assez dur. Hein. C'est pas non plus le meilleur joueur du jeu, loin de là, mais je me suis quand même régalé. Je me suis quand même régalé. On va avoir une belle occasion ici. Regardez la belle défense et on va même marquer un but. Hein. Regardez Kakuta qui a pas envie de partir de l'équipe. J'ai l'impression hein, il plante pas mal, hein. Mais bon, on va quand même essayer de l'upgrade parce que c'est vrai qu'il est un petit peu juste. Mais c'est vrai quand même, il m'aura bien servi, il m'aura marqué quand même pas mal de buts, je crois que j'en ai marqué plus de 2 avec lui, donc c'est plutôt positif. Regardez ici Ben Arfa, toujours aussi dangereux, malheureusement la finition c'est pas ça, j'ai voulu tenter de loin parce que c'est vrai que plus je me rapprochais, plus c'était dur. Ici on va obtenir un coup franc avec ce même Ben Arfa et on va le tenter, malheureusement ça passe au-dessus. On va passer ici en deuxième mi-temps. On va toujours insister sur Ben Arfa. Il a regardé. Qu'est-ce que je vais faire avec Benzema? Je vais tirer. Eh non, je vais essayer de trouver Ben Arfa tout simplement pour avoir le bonus de crédit. Et ça va me sourire. Plus 50 000 crédits. Donc ça fait plaisir. Après, j'ai un joueur phare. Voilà, c'est fait. Je dois marquer avec lui. C'est le but. Hein. Clairement, si je peux faire même une PES, je le ferai. Surtout pour avoir vraiment le plus de crédit possible pour enchaîner tout simplement. Et là, regardez cette action, elle était magnifique. Malheureusement, on va trouver la barre transversale, une louche qui était vraiment, vraiment pas mal.
ici avec Ben Arfa, on va avoir une occasion et inscrire un but. Plus 50 000 crédits dans la besace, ça fait plaisir. Et surtout à ce moment-là du match, c'est rassurant parce que j'étais déjà en train de faire les calculs. Et voilà, l'objectif est atteint. Je vous cache pas, j'ai une paire que je vais vous proposer que j'ai vraiment envie que vous choisissiez. Parce qu'il y a un joueur vraiment excellent, tout simplement. On va se procurer une dernière occasion avec Ben Arfa. Malheureusement, on va toucher le poteau quand même. Deux poteaux dans le match avec Ben Arfa. Et du coup, c'est ainsi que va s'achever ce match. Un bilan très positif dans cet épisode. Puisqu'on va cumuler quand même 270 000 crédits, hein, 135 000 crédits dans chaque match. Donc je vais vous proposer deux paires les gars. La paire 1, Ribéry-Matuidi, une paire monstrueuse. La paire 2, Perrin-Clichy, une paire qui est pas mal non plus. Mais je pense que vous êtes au courant, il y a une paire que je préfère. En tout cas les gars, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à voter dans les commentaires pour m'indiquer la paire que j'utiliserai dans le prochain épisode. Et puis moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde.